femme vertueuse, femme de valeur. Bonjour à vous et merci de nous suivre sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous recevons une femme d'exception, une femme vertueuse, une femme de valeur qui a relevé de grands défis et qui certainement a transformé son monde, son environnement. Nous avons avec nous Christiane Léonard. Bonjour, je suis vraiment heureuse de t'accueillir. Nous nous sommes rencontrés à diverses occasions, mais ce matin, nous voulons mettre l'emphase sur des aspects de ta vie qui sont un petit peu cachés, qui t'ont transformé, qui t'ont permis de faire une rencontre particulière avec Dieu. Et c'est ce que tu es venue nous dévoiler ce matin. Que Dieu me donne la force. Oui. Je crois que tu connais déjà la force que Dieu peut te donner. Oui. Alors, Christiane, j'ai une petite question. Hein. C'est la petite question qui pique un petit peu. Lorsque tu étais petite, tu étais plutôt très agitée ou une enfant plutôt calme? J'ai toujours été dynamique, mais je dois constater que les circonstances de ma naissance m'ont préparée au futur. Mm-hmm. Aux événements que je devrais vivre beaucoup plus tard. Je ne le savais pas, ce n'est qu'en remontant dans le temps, dans ma mémoire, que j'ai pu remettre les pièces de puzzle en place et comprendre. Donc, je suis née dans des circonstances spéciales. Et lorsque je viens au monde, je nais chez ma grand-mère maternelle. Ok. Je ne peux pas dire exactement combien d'années que j'ai vécu chez ma grand-mère, entourée de mes tantes et de mes oncles, parce que j'étais le premier petit enfant de la famille. Très bien. Donc j'étais très chérie, très choyée. J'étais vraiment la poupée vivante de mes oncles et tantes. Et j'ai gardé de très bons souvenirs. C'était en pleine campagne dans le sud de la Martinique. Ils m'ont appris à monter à cheval. Ouh, il y avait des bœufs, il y avait des moutons, des cabris, il y avait toutes sortes de bêtes. Mais c'est une vie rêvée, tout ça. Oui, mais je ne suis pas restée là très, très longtemps parce que mon père a construit sa maison dans une autre campagne. Dans une autre commune avoisinante. Et j'ai passé là, je pense, de 4 ans à 9 ans, je suis restée dans cette campagne qui était un peu plus bas. Mm-hmm. Et j'avais pris l'habitude, tout en étant petite, de monter avec ma mère, chez ma grand-mère, chercher des fruits et légumes, en attendant que ce que ma mère avait planté puisse. Ce qui fait que j'ai toujours gardé le contact avec la maison de ma grand-mère. Mm-hmm. J'étais vraiment attachée à cette maison. Et quand j'ai eu 9 ans, mes parents avaient à ce moment 4 enfants. Mon papa a réussi un concours de la poste et nous avons dû déménager. Nous avons émigré vers une autre commune qui se trouve dans l'est de la Martinique. Mais cette coupure a été brutale parce que même si nos parents nous disaient qu'on allait partir, qu'on allait changer de maison, on ne pensait pas aller vivre en ville, au bourg. Ça a été vraiment une séparation. Grande différence. De perdre l'habitude d'entendre le chant des oiseaux, de vivre avec les animaux, de faire du jardinage avec mes parents. Je me revois encore petite fille en train de traîner des branches d'arbres pour aller recouvrir les fosses d'igname. Papa nous disait qu'on allait faire tracer. Et c'était, tu aimes le contact avec la terre. Oui, j'ai grandi là. Ouais. J'ai grandi là, ce qui fait que quand je me suis retrouvée dans la nouvelle commune avec mon frère et mes deux sœurs, on a été perdus. Ouais. Parce qu'on habitait dans une maison, et il y avait plein de maisons alentour. Pour nous, c'était le bruit, c'était la foule. Vous étiez enfermés. Oui, parce que nous vivions en plein air, à la campagne, en train de courir partout, d'aller attacher des cabris, de faire des choses que les enfants aiment. Et je me retrouve dans une maison, une grande maison, et puis on ne connaissait pas les autres enfants. Ouais. Ce qui fait que c'était dur. Des habitudes de vie, oui, c'était dur. Différentes. En plus, ma maman avait une parmi nous, il y a une de mes sœurs. Elle avait 3 ans de moins que moi. Elle a fait une anoxie cérébrale à la naissance, dans le sens que quand elle est née, elle n'a pas respiré, ce qui fait que son cerveau a souffert. Ouais. Et elle a présenté des troubles psychomoteurs. Et c'était difficile à la maison. Elle ne pouvait pas être scolarisée, on ne pouvait pas la mettre dans une structure. Donc ma mère ne pouvait pas travailler et rester à la maison, s'occuper d'elle. C'était pénible. Nous allions à l'école. Nous n'avons pas été très bien accueillis parce que nous étions des étrangers. On sort de la campagne. Ah oui, nous étions des étrangers. Et c'était... C'était dur. Maintenant, je me rends compte que nous avons souffert. Quand je revois les photos de nous,
quand nous avions cet âge, c'était aux alentours de 10 ans, mais c'était la tristesse sur le visage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on avait été déracinés. Ouais. Donc, j'ai fait mes deux premières années. Je suis arrivée dans cette commune pendant les vacances de Noël 1959. Mm-hmm. Donc, à la rentrée de janvier, je me retrouve au CM1. Mm-hmm. J'ai fait CM1 et CM2. Quand je suis arrivée dans la classe, le jour de la rentrée de janvier, je me souviens, je me vois encore entrant dans la classe et la maîtresse debout qui me présente un livre. Lisez-moi ceci! Alors moi, je savais lire, je revenais de la campagne, mais je savais lire parce que j'ai toujours aimé la lecture. Donc il y avait déjà cette différenciation, oui, enfant de la ville, enfant, oui, de la campagne, oui, on était déjà taxé un petit, oui, peu. Oui, je me suis sentie, j'étais petite à l'époque, mais j'ai senti qu'elle m'avait vexée. Mm-hmm. Autrement dit, est-ce que je reviens de la campagne, je ne sais pas lire. Mais c'était trompé parce que je savais lire. Alors ça, c'est peut-être le mauvais exemple, mais tu me présentes déjà une famille, en tout cas au départ, qui est très soudée, qui entoure ses enfants. Alors qu'est-ce que tu retiens justement de ta grand-mère, de tes tantes, de ta mère? Comment étaient ces femmes? Qu'est-ce qu'elles voulaient vous apprendre? Qu'est-ce qu'elles vous ont laissé comme héritage? L'héritage, c'est déjà l'amour de la campagne, l'amour de la terre, l'amour des bêtes, l'amour des fruits. On avait tout à profusion. On n'a pas souffert de la faim. On avait tout ce qu'il fallait. Mais là, dans cette famille, chez ma grand-mère, il y avait beaucoup d'affection. Parce que j'étais le premier petit enfant. Mm-hmm. Je ne sais pas si mon frère n'est pas né dans cette maison. Mon frère est né dans la maison de mon père. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que je pense que parmi les quatre enfants, c'est moi qui étais le plus choyé. Mm-hmm. Le plus choyé, et ça m'a fait du bien parce que c'était déjà une base. Même si j'ai souffert après, mm-hmm, on avait installé l'amour en moi. C'était là, je savais qu'on pouvait compter sur l'affection des siens. Par contre, ma maman avait beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, et cette souffrance l'avait endurci. Ce qui fait que quand nous sommes retrouvés dans l'autre commune, on s'est retrouvés avec maman. C'était, ouais, plus difficile, et mon papa aussi était dur. Mais là, c'est vrai, quand on a une famille à la campagne où on a le proche voisinage, encore les parents, donc il y a cette entraide, on, oui, a, voilà, on peut, il y a cette petite, l'équilibre vient, parce que voilà, on peut aller jouer avec les cousins, les cousines, mais à la ville, voilà, quand on est seul, elle avait moins sa possibilité, ah, oui, de... Et, oui, elle avait moins la possibilité de partager ses, elle ses, était pas ses gay, charges familiales. Elle n'était pas gay parce, mm-hmm, qu'elle souffrait aussi, mm-hmm, parce qu'elle aussi elle avait été déracinée, elle n'avait plus ses voisines. Parce qu'à la campagne, les maisons sont plus éloignées parce que chacun a sa terre, mm-hmm, et l'autre maison se trouve plus loin, donc on est quand même dans une intimité familiale, tandis que là, c'est plus pareil. Mm-hmm. Et elle se retrouve avec des personnes qui ne sont pas agréables parce, mm-hmm, que les voisines faisaient sentir, mm-hmm, elle n'était pas de la commune. Mm-hmm. Et donc, nous allions à l'école. C'était pas gay. Mm-hmm. On rentrait à la maison, maman était triste. Donc ça a été deux années difficiles. Très difficile. Ah, difficile. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner pendant les vacances scolaires à la campagne, de vous ressourcer comme beaucoup de familles l'ont fait? Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de retourner, soit pour les fêtes, les grandes fêtes catholiques, mm-hmm, soit pour lors des décès dans la famille. Oui. Nous avons gardé le contact, et, mm-hmm, nos tantes aussi, autant que faire se peut, venaient nous visiter. Mm-hmm. Donc bien. Le contact, mm-hmm, était là, mais il n'y avait pas de téléphone. Mm-hmm. C'est ça. Mais on savait qu'on attendait le jour où on devait retourner. Et ça a été vraiment un déracinement. Mm-hmm. Et chaque fois que j'allais là, ça me prenait dans le ventre parce, mm-hmm, que je revoyais cette maison, je revoyais cette terre. Et mon papa, pour trancher, mon papa a dû acheter un terrain. On arrivait là, il a économisé, il a acheté un terrain. Mm-hmm. Et il a démonté la maison dans laquelle nous étions à la campagne, c'est une maison en bois. Mm-hmm. Il a démonté les panneaux de la maison, mm-hmm, il l'a ramené et il a construit cette maison sur cet terrain, ouais, qu'il a acheté, toujours au bout, mais, mm-hmm, plus en retrait. Mm-hmm. Parce que là où nous sommes maintenant, c'est toujours cette maison qui a été travaillée, rénovée. Mm-hmm. Et on avait l'impression on était chez nous. Ouais, c'est ça. Et le fait qu'on soit sorti de ce groupe de maisons alentour, il y avait aussi un bout de terrain où il y avait des bananiers. On a recommencé à vivre là. Alors dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu as ton petit bout de jardin derrière la maison, à côté de la maison? Est-ce que tu es toujours ancré dans la terre? Ce que je dois ajouter, c'est que mon père était un homme très prévoyant. Mm-hmm. À l'époque où il a acheté cette terre pour, mm-hmm, pour construire la maison, il avait loué un bout de terrain à côté, deux, ouais, bouts de terrain, en face de l'endroit où il avait construit la maison, et un autre à côté. Il l'a, mm-hmm, loué pendant des années. Ouais. Et quand j'ai commencé à travailler, il m'a dit qu'il a l'intention d'acheter le deuxième bout. D'accord. Alors, je l'ai aidé,
et on est devenu propriétaire des trois morceaux. Mm-hmm. Et ce qui fait qu'on a encore ce jardin. Ah, ça c'est bien. La maison, les deux maisons sont, un bel sont là. Un bel héritage. Les deux maisons sont là. Mm-hmm. Le petit bout qui était en face, on l'a vendu. Mais vraiment, je rends hommage à mon père parce que c'est vrai qu'il était dur avec nous, mais avec le temps, j'ai compris que c'était pour nous protéger. Il s'est peut-être mal pris, mais il s'est occupé de nous. Comme tu m'as confié, il a posé des actions. Ah oui. C'était sa façon de vous montrer qu'il savait qu'il avait des enfants et qu'il s'en occupait. Il a posé des actions, mm-hmm. et nous avons poursuivi sur la même lancée. Nous avons continué à exploiter ce qu'il nous a laissé. D'accord. Alors, dis-nous maintenant, tu as eu toute cette belle famille, vous vous êtes construit. Et à quel moment Dieu est venu, je veux dire, avec sa présence, transformer un petit peu Christiane? Mais je vous dis une chose. Dieu s'est manifesté depuis ma conception. Parce que ma mère m'a dit, par rapport aux circonstances dans lesquelles je suis venue au monde, quand elle a réalisé qu'elle est enceinte, elle m'a dit, je t'ai consacrée au Seigneur. Elle me l'a dit, quand elle me l'a dit, j'étais déjà mariée, j'avais déjà des enfants. Oh, d'accord. Je suis sautée, elle m'a dit. Donc, tu n'avais même pas cette idée en tête de savoir que tu avais été... Quand elle me l'a dit, il y a des images qui ont défilé dans ma tête et j'ai vu vraiment Dieu avait reçu cet enfant qu'elle lui avait donné. Mm-hmm. Parce que même avant d'accepter le message adventiste, Dieu m'a parlé à plusieurs reprises de ma vie. Mm-hmm. Ah oui, j'entendais une voix qui me parlait près de mon oreille, qui me donnait des conseils dans des moments difficiles. J'ai senti, en revenant en arrière, que Dieu m'a toujours accompagnée jusqu'à ce que j'entende le message du salut. Oui, c'est ça. J'ai été bercée dans la prière. Ma grand-mère maternelle nous a appris à prier, mais c'était des prières de l'église traditionnelle, mais c'était des prières que Dieu a reçues. Et j'ai grandi avec ma grand-mère, mon grand-père, mais on était toujours en train de prier, on faisait le chapelet, on a été toujours connectés à Dieu. Mm-hmm. Et quand nous sommes arrivés dans la nouvelle commune, que nous étions en souffrance pendant les deux premières années, ma mère nous emmenait à la messe tout le temps. On était toujours à la messe, toujours à l'église, en train de prier, toujours en train de prier. On allait à la rivière. À l'époque, il n'y avait pas encore de machine à laver. On allait à la rivière le mercredi avec maman. Pendant qu'elle nous faisait laver, elle récitait le chapelet avec nous, elle priait avec nous. Ce qui fait qu'on était... Vous avez eu toujours cette connexion. C'était une ancre, c'était une référence pour nous. Il fallait... Dieu était présent dans notre vie. Mm-hmm. Les années passent et j'ai eu l'occasion d'aller faire des camps de scouts, des camps de guides. Mm-hmm. Ça, après les deux premières années difficiles, la vie a démarré. A redémarré. On a eu des amis, mm-hmm. on a évolué, il y a eu l'école, il y a eu le collège, il y a eu le lycée. Et je suis revenais à la maison au week-end. Et je me souviens, un jour à la messe, le prêtre a dit qu'il y avait une retraite spirituelle qui était organisée au foyer de charité à Trinité. Et les jeunes filles et les jeunes garçons qui voulaient y aller étaient libres. Donc j'ai dit à mes parents que je voulais aller faire cette retraite. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucun souci. Mm-hmm. Moi, je ne savais même pas ce que c'était, mais comme j'étais attirée par les choses spirituelles, je suis allée. Mais c'était assez spécial. Dans cette retraite, c'était des moments de silence. On ne devait pas parler. Alors, On va faire silence. On va garder la suite. Le temps de faire la petite pause pour aller découvrir un petit peu qu'est-ce que, dans ces moments de silence, Christiane a pu découvrir. Très bien, mes femmes de valeur, restez avec nous, nous revenons dans quelques minutes. Femmes vertueuses, femmes de valeur, vous êtes dans notre émission et nous avons comme invité Christiane Léonard. Elle aime beaucoup parler, mais elle a dû garder le silence dans sa retraite spirituelle. Alors, dites-nous, ça a été difficile? Alors, ça a été difficile, cet instant. Ce que je voulais dire, c'est que je ne connaissais pas les autres personnes qui participaient à la retraite. Donc, le premier soir, on devait arriver vers 17h, 18h. Le premier soir, on a fait connaissance. Et quand on a fini de faire connaissance, on a échangé. Il nous a dit, à partir de maintenant, vous ne parlez pas. Sauf obligation, même au moment du repas, essayer de parler le moins souvent que possible. Mm. Alors j'ai essayé d'intégrer ça comme je pouvais. Chaque personne avait sa chambre et on était dans notre chambre, faisait ce qu'on voulait. Et puis il y avait des moments de rencontre. Mm. Et
dans les moments de rencontre, c'est le prêtre qui parlait. Parce qu'il nous donnait des messages. Et vous, vous écoutiez? On écoutait. On ne posait pas de questions. Et puis, il devait, c'était dans la programmation, non, c'était dit, mais je ne m'étais pas rendu compte, qu'il devait nous recevoir individuellement. Mm-hmm. Et quand mon tour est arrivé, voilà le prêtre qui me dit, écoutez, mademoiselle, je sens, en vous voyant évoluer, je sens que vous êtes appelée à rentrer dans les ordres. Et voilà, je vois en vous une future sœur de charité. Et quel âge avais-tu à cette époque? 25, 26 ans. D'accord. Je regardais le prêtre, je l'ai dit moi. Il m'a dit, oui, je sens que vous êtes appelée à vivre une vie de avec des religieuses. Je lui ai dit, écoutez, monsieur l'abbé, j'aime beaucoup Dieu, mais je ne me sens pas appelée à entrer dans les ordres, ni au monastère, ni chez les sœurs. Je vais me marier et j'aurai des enfants. Mm. Il reprend la même phrase, il me dit ça, il me dit, je sens que vous êtes appelée. Je lui ai dit, peut-être que vous le sentez, mais moi, je me sens appelée à vivre dans une famille avec un mari et des enfants. Et c'était clair, et il n'a pas eu l'occasion de me le dire une troisième fois. C'était clair, je lui ai dit, je suis désolée, je ne sais pas pour demain, mais aujourd'hui, c'est non. Mais ne m'a rien dit, on a continué ça durait une semaine, donc chaque jour, il y avait des informations que nous recevions. Et puis, le dernier jour, tout le monde pouvait parler de nouveau. Et puis, à ce moment, les vannes étaient ouvertes. Tout le monde pouvait parler. Mais cette retraite m'avait fait du bien. Oui, peut-être que ça m'a aidé à comprendre qu'on peut vivre sans parler. c'est quand même difficile. Mais bon, alors, pour continuer, entre-temps, j'ai oublié de dire que très vite, j'ai dû penser à ma profession. Pourquoi? Parce que ma maman, qui était en souffrance du fait qu'elle ne travaillait pas, elle me disait toujours... C'est un frère ou une sœur, c'est pas qui oui, a eu... justement. Mm-hmm. Ma maman ne pouvait pas travailler par rapport à ma sœur qui était en situation de handicap. Et ma maman me disait tout le temps, écoute Christiane, et tu as intérêt à bien travailler à l'école pour avoir un métier. Une femme au foyer souffre. Et je voyais que c'était difficile pour elle. Elle m'a dit, de grâce, arrange-toi que tu aies une profession. Mmh. Et c'est rentré dans ma tête. Ce qui fait que je suis allée au lycée, j'ai fait mes études, j'ai continué, et puis à un moment donné, 18 ans, je n'ai pas vu études supérieures, j'ai vu travail. Oui. Et quelle orientation que je prends? Soignante, parce que je suis à la maison, je m'occupe de ma petite sœur, qui à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, à 20 ans, j'étais déjà infirmière, ma sœur avait 17 ans, puisque j'ai 3 ans de plus qu'elle. Mm-hmm. Mais il se trouve que quand elle a eu 18 ans, elle a fait une chute. Okay. Parce que sa maladie se manifestait avec des crises convulsives, mm-hmm, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ouais. Et elle peut être debout, dehors, en faisant n'importe quoi, elle tombe. Et elle a fait une mauvaise chute qui lui a donné une fracture de la colonne cervicale. Elle a été hospitalisée pendant quelques jours et elle est décédée. J'avais 21 ans à l'époque et elle est décédée. Mais j'ai toujours été habituée à m'occuper d'elle parce qu'elle était dépendante. Il fallait tout faire pour elle, des fois avec elle. Ce qui fait que j'ai été, par la force des choses, je suis devenue soignante à la maison. Et tout de suite, je me suis dit, je vais devenir infirmière. Tu as continué dans cette voie-là. Mais mon père avait d'autres objectifs. Qu'est-ce qu'il voulait, mon papa? Père voulait que je sois une employée de la poste. Comme lui? Ah non, alors là, tout de suite dans ma tête, j'ai dit, on t'a sous le dos à la maison, mais moi je ne tourne pas sous mon dos au travail. C'est clair. Je lui ai dit, avec beaucoup de respect, papa, ce n'est pas ma voie. Il a insisté, il a voulu me forcer, je lui ai dit, non, je ne vais pas aller. Je ne vais pas préparer le concours. Il est allé chercher tous les documents, je ne prépare pas le concours. La poste, ce n'est pas mon truc. Et bien, il m'a dit, dans ce cas, je te coupe les vivres. Tu n'auras pas d'argent pour te payer les études. Mais Dieu est venu à mon secours. Oui. Parce que ma mère... comme on avait le petit boutirier, elle faisait des choses pour vendre. On avait des bêtes, des poules, tout ce qu'il fallait. Maman a pu rassembler tout. Et t'aider. Et j'ai eu une bourse d'études quand j'ai fait mes études d'infirmière. Ce qui fait que, tout a compensé, j'ai pu, avec Bouillot, avoir mon diplôme d'État, tranquille. Quand j'ai eu 20 ans, je travaillais déjà. Très bien. Papa était content quand même.
il ne voulait pas. La joie était arrivée. Mais il a accepté, puisqu'il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un qui n'avait jamais cédé. Mm-hmm. Ah non, j'allais pas céder pour lui. Hein. Et puis là, il m'a laissé tranquille. Et ta rencontre avec Dieu? Alors, ma rencontre avec Dieu, c'est que quand je suis au travail, je vais toujours dans la grande église, mm-hmm. je suis toujours dans l'église traditionnelle, pour laquelle j'ai jusqu'à maintenant beaucoup de respect, mm-hmm. parce que là, j'ai eu les bases. J'ai eu des bases, quel que soit ce qu'on aurait à reprocher, j'avais... Ah oui, je me rappelle que ta famille est toujours très concernée par la prière. Oui, on a toujours prié. Ouais. C'était un moment... la prière, c'était... Ma maman disait, maintenant nous allons prier en commun. C'est le moment de la prière en commun. Elle disait mm-hmm. pas le culte, mais c'est la prière en commun. Comment j'ai rencontré Dieu? À travers une grande épreuve au travail, Je ne peux pas expliquer exactement ce qui s'est passé. Nous sommes en Martinique et vous savez très bien, comme moi-même, qu'il y a des personnes qui manient l'occultisme. Mm-hmm. J'ai eu un souci comme ça dans le milieu professionnel. Je ne voulais pas y croire. Beaucoup de personnes m'ont mis en garde parce que la personne qui avait fait cela se vantait. Okay. Je n'ai pas voulu croire, mais n'empêche qu'il y avait des signes. À un moment donné, j'étais obligée d'arrêter de travailler. C'était pas bien. Tout ça se passait dans ma tête. Ce n'était pas bon du tout. Et dans le couloir de l'hôpital, un jour, une aide-soignante qui était adventiste passe la serpillière, elle me voit arriver avec mon chariot. Elle me dit, voilà comme ça que j'ai reçu l'invitation, comme un coup de pierre. Elle me dit, hé, Antel, en créole, Antel, où qu'a venu là? Oui, où? Elle me donne mon nom, mon prénom. Elle me dit, maman, nous comme ça, moi ça vient l'obaye qui a passé, m'entendre dire, yo, fait, yo, pas fait, moi, l'autre, bah, il n'y entend pas d'adventiste, bon, caillou, allez. Comme ça. Comme ça, elle me dit ça. Je pousse mon chariot de médicaments. Quand j'entends ça, quand j'entends ça, tu sais, j'ai beaucoup de respect. C'est une personne plus âgée que moi. Oui. J'ai beaucoup de respect pour elle. Mais là, elle m'a vexée. Oui. Alors, je rouspète dans ma banque et je dis, ok, mademoiselle, moi, dis mon intention d'être adventiste. Et encore, moi, adventiste. Et puis, je continue à faire mon travail. En marchant comme ça, avec mon chariot, j'entends près de mon oreille, avec douceur, Christiane, mais qu'est-ce qui te met dans cet état? Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu sois dans un tel état? Mm-hmm. Et je réponds à la voix. Mais elle me dit d'entrer à l'église adventiste. Mais c'est quoi ça? Je ne suis pas adventiste, moi. La voix me répond avec douceur. Mais qu'est-ce que ça te coûte d'aller regarder? Mais qu'est-ce que ça te coûte? Quand j'entends, qu'est-ce que ça te coûte d'aller regarder? J'ai déjà changé. Oui. Je dépose mon chariot. Je vais voir une autre adventiste qui était dans le service. Je vais la voir, je lui dis, hey, un tel, celle-là était ma voisine. Oui. Je lui dis, écoute, c'est vrai qu'il y a un temps d'adventiste près de chez nous. Mm. Elle me dit, mais si, est-ce que tu veux aller? Je lui dis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je suis une catholique rouge. Attention, hein. Oui. On ne me fait pas sortir de là. Hein. Je ne sais pas. Elle me dit une deuxième fois, tu veux aller ou pas? Mm. Je lui dis, je ne sais pas. Elle me dit, bon, donc ça, ou là, aller ou pas aller? Quand elle me dit et ça, là, tu réponds oui. Je dis, mais oui, je vais venir. Eh bien, tu te prépares samedi à 8h30, je viens te chercher. À ce moment, tranquille, je rentre chez moi, je dis à mon mari que voilà, je t'ai invité. Samedi, tu vas te préparer pour aller. Voilà la réponse de mon mari. Il n'a pas parlé. Il fait ça parce qu'il sait que c'est moi qui fais prier les enfants. Parce que moi, les habitudes que j'avais avec ma grand-mère et ma mère, je les emmenais à la maison. C'est ça. Mes enfants connaissaient notre père, ils connaissaient le Je vous salue. J'avais appris à faire le chapelet, j'étais catholique à fond. Oui. Mon mari est tranquille, il sait très bien que ma femme ne peut pas partir. Pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand elle vient me chercher à 8h30, je pars avec ma fille qui avait à l'époque 18 mois. Mm-hmm. Je vais à mon rendez-vous du samedi matin. J'arrive en semaine de santé. Quand j'arrive en semaine donc de santé, tu es interpellée. Je suis dans mon élément. Oui. Et tout ce qui a été dit, c'est ce que j'ai appris à l'école d'infirmière. Mais voilà mon truc. Voilà mon truc. Et je me sens bien. Un poisson dans l'eau. Ça veut dire que lorsque tu rentres ce samedi-là, tu n'es plus jamais reparti. Mais attends la suite. Quand tout est fini, parce qu'on avait pris ma fille, on l'avait emmenée chez les enfants, quand on me ramène ma fille, la collègue vient me dire, écoute, c'est fini, on va rentrer. Je lui dis déjà, mais j'ai envie de rester là toute ma vie. Elle me dit, maintenant, il faut que tu partes, il est l'heure de donner à manger à l'enfant. Donc, je m'en vais, je dis, avant de partir, laisse-moi prier. Je me mets à genoux, je dis à Dieu, Seigneur, je te dis une chose, hein, à partir d'aujourd'hui, je suis une adventiste du septième jour. Et voilà ce que j'ai dit. Ouais. Je suis rentrée chez moi, j'ai laissé la viande. Un jour, là, j'ai plus mangé de viande. J'ai fait pour les autres, j'ai pas mangé de viande. J'ai enlevé les bijoux.
sans aucune difficulté. Je suis engagée. Et tu nous as parlé justement, qu'est-ce qui t'a poussé, parce que dans ton travail, il y a eu, on va dire, ce mauvais comportement de certains. Ça a disparu aussi, ça? Mais ma chère, mais c'est comme je suis devenue adventiste. À ce moment-là, j'ai ma Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Et puis, tout ce que j'avais comme trouble a disparu. Parce que je suis dans une autre dynamique. C'est ça. Et puis tu sais, moi, je me prends en main, je suis là, quoi. Je ne suis plus la même personne, là. Les choses s'avancent. Et puis, je n'ai pas le temps juste de raconter les détails de cette affaire, mais il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai vu Dieu se manifester. Oui. J'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre dans cette affaire. Mais je me suis dit que Dieu connaît chacun de nous. Il a utilisé ce moyen parce que la même personne qui m'avait dit qu'il y avait un temps adventiste devant chez moi d'aller, m'avait mis en contact avec un colporteur quelques années avant. Oui. Et j'avais acheté les livres, les guides spirituels. Alors, tu avais déjà... Je les avais, mais je ne les avais pas ouverts. J'avais pas ouvert. Écoute-moi, quand tu es de l'autre côté, tu ne sors pas comme ça. C'est Dieu qui t'enlève. Hein. Donc, j'ai parcouru, j'ai regardé, je trouve que c'était intéressant, j'ai vu certaines choses, mais j'avais mis d'un côté. Mais Dieu m'appelait. Et maintenant, tu es une étudiante assidue. Et ce matin, alors tu as eu du mal. Hein, quand je t'ai dit, choisis-moi un passage de la Bible, un verset ou une histoire, tu étais embarrassée. Ah oui, parce que tu sais, par rapport au fait que mon époux n'a pas accepté le message du tout, j'ai passé des années très difficiles. Et c'est là que je dis que les souffrances que j'avais vécues avant m'ont aidée. T'ont préparée, ouais. Et l'amour que j'avais reçu m'a aidé à tenir pendant toutes ces années de 1982 à 2004. Ouais. Je n'avais pas le droit d'aller dans l'assemblée. C'est ça. C'était ma traversée du désert pendant ces années. Et vraiment, Dieu m'a toujours parlé. Le même Dieu qui m'avait parlé avant était là. Parce que je sais qu'un vendredi soir, c'était très pénible pour moi du vendredi au samedi soir. Pendant tout le même sabbat. Le dimanche, parce qu'il y avait la messe le dimanche. Ouais. C'était très dur parce que dès que le vendredi midi arrivait, j'étais malade. Parce que ça m'amenait de la souffrance. Mais à travers cette souffrance, Dieu m'a formée. Et je me souviens, le vendredi soir, je suis allée me coucher en pleurant parce que c'était très dur. Quand je me suis réveillée le samedi matin, là, pendant mon oreille, à 5 heures du matin, j'entends une voix qui me dit, Christiane, ne pleure pas. Quel que soit ce qui va t'arriver, ton Père du ciel ne va jamais t'abandonner. Quand j'entends cette phrase, mais écoute, je suis boostée. C'est ça. Et je me dis que Dieu est réel. Et tu vois, quelques années après, on a été forcés par un autre moyen de rester à la maison. On ne pouvait pas aller à l'assemblée. C'est vrai que les années qui passent nous apportent leur lot de difficultés, mais la présence de Dieu est toujours assurée. C'est vrai que je n'allais pas dans l'assemblée, mais j'étais à genoux le vendredi soir pour ouvrir le sabbat. C'est ça. Le samedi matin, j'avais ma Bible, j'étudiais le samedi matin, j'étudiais le samedi après-midi, je ne dormais pas le samedi après-midi. Ce qui fait que les fameux livres que j'avais achetés, je les ai lus. Et comme je mets des annotations sur mes livres, maintenant, quand je revois ces livres et que je vois les annotations, je frissonne. J'avais appris à aimer le sanctuaire. C'est ma doctrine préférée, je l'ai dégustée pendant toutes ces années. Je dis que j'étais seule, mais je n'étais pas seule parce que le Saint-Esprit m'instruisait. Quand j'arrivais à l'église, une fois de temps en temps, des fois une fois, deux fois par an, j'avais une opportunité pour aller, que j'allais dans une église, dans l'église, et que le pasteur expliquait des choses au moins, mais j'avais déjà compris ça. C'est ça. Je suis arrivée blindée. Tu avais eu toutes ces années pour étudier. C'était Dieu avait préparé cela pour moi. Alors Christiane, nous allons malheureusement terminer notre émission. Et je voudrais justement que tu puisses donner un message d'encouragement, d'espoir pour toutes les femmes qui nous écoutent, pour les jeunes femmes aussi, les jeunes filles qui devront affronter justement des difficultés, quel que soit au travail, dans leur foyer. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme parole d'encouragement? Oui, je voudrais dire que la parole de Dieu, c'est une merveille, que nous devrions chaque jour de notre vie, je dirais même chaque seconde de notre vie, remercier Dieu pour cette parole qui nous a si précieusement protégés pendant des millénaires pour qu'aujourd'hui nous l'ayons entre les mains. Sans cette parole, qu'est-ce que nous aurions de venir? Nous avons la possibilité de lire, d'entendre des messages audio, d'entendre la Bible est partout. Il faut la lire, on ne se contente pas d'avoir une Bible à la maison, mais il faut lire la Bible, il faut la savourer, il faut la déguster comme un mets précieux, comme quelque chose qu'on aime, comme une glace.
Il faut passer du temps. Parce que quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si on regardait Jésus-Christ face à face. Et on est transformé par la ressemblance, par la contemplation de Jésus va nous transformer. Et j'avais un caractère vif, mais Dieu n'a pas fini. Il est en train de m'adoucir. Dieu est en train de m'adoucir parce que les années, quand on a passé des années de souffrance, on a toujours baïonnette au canon, on est toujours prêt à tirer. Mais Dieu m'a aidé à arrondir, Dieu m'a calmé, Dieu m'a adouci. Et je dis aux femmes, surtout aux mères, que dans la parole de Dieu, nous allons trouver une promesse pour chaque circonstance de notre existence. Mais pour trouver les promesses, mais il faut tourner les pages de la Bible, il faut les lire, il faut lire la Bible. Mais il ne faut pas garder la Bible fermée ou bien ouverte dans la maison, mais il faut la savourer, il faut la déguster, il faut la mâcher, il faut la lire. Et je me souviens un jour, j'ai lu dans le livre des Lamentations de Jérémie, chapitre 2, verset 19, où il est écrit un conseil que le prophète Jérémie donnait aux femmes de Sion. Lève les mains vers le ciel à l'entrée des veilles de la nuit en faveur de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Il y a aussi pousse des gémissements, lève les mains vers le ciel en faveur de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. C'est vrai que j'ai lu des promesses. Il y a des promesses qui me sont chères. La promesse d'Ézéchiel 37, les ossements desséchés d'Ézéchiel. C'est une promesse qui m'est chère. La promesse d'Ésaïe 49, verset 25, où l'Éternel pose la question au prophète. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Le butin du puissant lui échappe. Ça veut dire que si notre enfant est dans la drogue, notre enfant est parti, il a laissé l'église, il est en territoire ennemi, la parole de Dieu a sa puissance. Il faut que les mères sachent que Dieu répond aux prières des mamans. Dieu répond aux prières des mamans. Je ne peux pas dire qu'un jour je me sois mise à genoux et que j'ai imploré Dieu en faveur de mes enfants, mais en faveur d'une autre personne et que Dieu n'ait pas répondu. Dieu entend les prières. Dieu a une sensibilité pour les mamans. Une mère ne doit jamais se décourager, ne doit jamais penser que Dieu l'a abandonnée. Il suffit de donner le dossier à Dieu, comme je le donne à Dieu. On dit, Seigneur, voilà les faits, voilà la chose, voilà ce qui se passe. Je ne peux rien faire. Agis. Dieu agit. Dieu agit. Merci Christiane. Franchement, ce sont vraiment des paroles poignantes. Oui. Et je retiens de remettre tous les dossiers à Dieu et il agit. Oui. Voilà ce que Dieu est prêt à faire avec nous, femmes vertueuses, femmes de valeur, des défis qui nous transforment pour que nous puissions à notre tour transformer le monde. Merci beaucoup Christiane. Je crois qu'on fera une émission bis. Parce que tu as encore beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. J'ai fait des expériences vraiment où j'ai vu Dieu à l'œuvre. J'ai vu la main de Dieu. Il ne me manquait qu'une chose, c'est voir le visage de Jésus. En tout cas, plaisir à te retrouver et plaisir aussi à vous retrouver sur notre chaîne pour notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. N'oubliez pas que Dieu ne vous abandonne jamais.